Bonsoir les amis, c'est super impressionnant d'être là et de vous voir, vous êtes magnifiques. Hey, franchement, c'est une des plus belles scènes du monde, non? On est d'accord? Et vous, vous êtes peut-être le plus beau public du monde aussi. Mais oui, d'habitude on vous voit pas, vous êtes dans le noir, dans les théâtres. Oh là là, je suis... Il va falloir que je reste un peu concentré parce que tout d'un coup, si je lève le nez, puis que je vous vois, puis que je vois là, je vais faire de la méditation transcendantale, je vais marcher sur l'eau. J'ai essayé de rester dans mon piano. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. Merci à la belle ville de Roquebrune-sur-Argent de m'avoir invité dans... Waouh, j'avais pas vu ça. C'est le Grand Canyon. Oh là là. Oh, je vois des Indiens qui sont là-haut et tout, qui écoutent aussi. C'est génial. Enfin, bon, voilà, je vais vous avouer, je viens de Chamonix où j'ai fait un festival pendant une semaine au pied des, enfin, dans les Alpes et puis dans des massifs et tout. Mais franchement, là, on est encore ailleurs. En tout cas, merci de m'offrir, je dirais, cet écrin incroyable. Et je vais tâcher que ma musique soit à la hauteur de l'endroit et de vous. Merci encore. Thank you.
Les amis, je ne veux plus faire des concerts que sur l'eau maintenant. Ça va être compliqué dans des théâtres où... Mais... Non, on ne joue pas pareil. Vous savez qu'il y a une interaction entre quand on joue tout seul dans sa chambre, quand on répète dans un studio d'enregistrement, et quand il y a du public, on ne joue pas du tout pareil. En réalité, la musique, on l'entend comme si elle était passée à travers vous. C'est vrai, c'est la musique, c'est du son, donc c'est des vibrations. Et aujourd'hui, on sait que nous, les êtres humains, on est composés à 70% de liquide. Enfin, ça dépend des régions. Ici, c'est plutôt rosé, on est d'accord. Puis un peu tout blanc aussi, hein. Voilà. Et du coup, les sons que je vous envoie, j'ai l'impression, encore une fois, qu'ils passent à travers vos corps. Et surtout, quand on trouve l'oreille des gens, c'est comme on joue mieux. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous parlez à quelqu'un qui ne vous comprend pas, c'est comme si vos mots s'agglutinaient sur son oreille et qui tombaient par terre. Du coup, ça vous fait bégayer. Vous voyez, il y a une interaction, encore une fois. Donc, alors que si cette vibration vous touche, vous faites ah comme ça. Alors du coup, moi, ça revient vers moi. Et je ah. Alors du coup, j'en rajoute une couche et là, du coup, vous ah. Et du coup, ah 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 ah. Et là, les amis, on est dans une spirale tantrique. Vous expliquerez ça à vos enfants tout à l'heure. Mais c'est tout ça pour dire que voilà, l'énergie, elle circule entre nous. En plus, on est sur l'eau. C'est merveilleux. Alors, vous avez remarqué, ces trois premiers morceaux que j'ai joués, ils ont en commun d'avoir une sonorité un petit peu, on va dire, orientale. Aujourd'hui, l'Orient, on le découvre, nous, dans la musique, mais il nous a toujours irrigué au fond. Même notre musique classique occidentale vient d'Orient. Les premiers chants chrétiens, c'était les chants des synagogues, c'était des psalmodies, et puis petit à petit, on a construit une musique qui est allée un petit peu ailleurs. Alors, c'est quoi la musique en Orient et c'est quoi la musique en Occident? Très rapidement, en Occident, quand nous exprimons nos sentiments, nous avons deux gammes. La gamme majeure pour exprimer la joie. On sent que je suis joyeux là. Et la gamme mineure pour exprimer la tristesse. Vous voyez la différence? Là, je suis gay, là, je suis triste. Il suffit que je diminue la tierce d'un demi-ton et je passe de la gaieté à la tristesse. Minimum d'effort, maximum d'effet. Beethoven, quand il s'est fait larguer, il a fait un arpège mineur. Si la comtesse était restée avec lui, il aurait fait un arpège majeur. C'est naze, non? Et franchement, elle a bien fait de le quitter. On serait passé à côté d'un chef-d'œuvre. En Orient, ils n'ont pas deux gammes pour exprimer leurs sentiments. À votre avis, ils en ont combien? 50! C'est pour ça que c'est toujours le bordel là-bas. 50 nuances de grec. Alors, il y en a une qui fait comme ça. Celle-là, vous la connaissez, c'est dans un film Pulp Fiction, Arebeticon. Il y en a une autre qui fait comme ça. Non, je ne vais pas vous jouer les 50 gammes. Mais pire qu'en avoir 50, il mélange le majeur et le mineur. Ça fait du mijeur. On ne sait plus où on en est. Il mélange la gaieté et la tristesse. Regardez, au lieu d'aller du Do au Mi, au lieu de passer par le Ré, il passe par le Ré bémol. Vous voyez? J'ai les deux sentiments qui sont mêlés ici. La tristesse, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je suis? Oh, je me sens triste, mélancolique. Oh, que c'est bon! Vous voyez? On appelle ça la jouissance de la mélancolie. Je t'en foutrais, moi, de la jouissance de la mélancolie. C'est pas facile d'être arménien, je vous jure. On a du mal à se réjouir. Dès qu'il nous arrive un truc bien, on dit « qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule ?» Je sais pas. Ici, par exemple, tout a l'air formidable. Et puis, ça va, mon chauffeur? Bon, ça, il commence... Ça va, les couleurs et tout? On l'applaudit, hein, c'est... Mesdames et messieurs, Joël, aux palmes!
Donc voilà, on mélange la tristesse et la joie et ça fait une sorte de mélancolie heureuse. Alors le thème que je vais vous jouer maintenant, il s'appelle Anaïde, c'est la déesse de l'amour et de l'eau en Arménie. Merci d'être là encore une fois. Merci beaucoup.